Chelsea, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Chelsea, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Chelsea, en moins de 2 ans, Chelsea est déjà à 1 milliard de dépenses, les gars. 1 milliard de dépenses, c'est énorme ici. Ça achète à gauche, à droite, ça achète en désordre, ça limoge les entraîneurs. Franchement, c'est vraiment un gros bazar du côté de Chelsea. Un coach, je ne sais pas comment Pochettino arrive à travailler dans ces conditions, les amis. Je ne sais vraiment pas. Parce que Chelsea a trop recruté des joueurs même que je ne connais même pas, des non-names. Des non-names. Si Chelsea se retrouve dans le Big Four, pour moi, c'est un miracle. Si Chelsea se retrouve dans le Big Four, pour moi, c'est un miracle. Je vois Manchester City, Arsenal, Manchester United et Liverpool ou Newcastle. Liverpool ou Newcastle, je les vois dans le Big Four. Tottenham et Chelsea, moi, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je vois plus City, Arsenal, Manchester United, Liverpool ou Newcastle. Parce que Chelsea, ce que je vois de Chelsea là, pour moi, ça ne va pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Il y a vraiment un gros chantier. Il y a un gros chantier. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu vois Chelsea dans le Big Four cette saison? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.